absence de verre soufflé à la bouche, avec ses défauts, ses irrégularités qui perturbent, et fait comme on en parlait, le sens de la lumière qui va la diffracter. Là, au contraire, c'est une lumière, c'est un verre industriel, c'est un verre float, extra blanc, donc sans défaut dans le verre, une pureté dans le verre déjà pour pas modifier la transmission de la lumière. Et puis sur ce verre, des accidents en fait, des accidents qui vont faire vibrer justement cette lumière dont on parlait. Et ces accidents sont donnés par un travail sur le verre, par des projections de grisaille, d'oxyde métallique. On avait défini avec Jean Ricardon des valeurs, une valeur déjà de couleur, un gris bleu dont on avait fait spécialement une fabrication en fait compte, qu'on pulvérisait sur le verre avec des caches successifs. Il y avait des attaques des blancs pour donner des blancs. Alors le blanc, c'est très difficile en vitrail. Alors le blanc, il a été obtenu là par des oxydes métalliques recuits sur le verre ou principalement des attaques du verre par micro-abrasion avec des granulométries très très précises.